Depuis le 8 septembre 2005, la chaîne M6 diffuse l'émission L'amour est dans le pré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière cartonne. Et pour cause. Le concept plaît énormément aux téléspectateurs. Des agriculteurs célibataires sont mis en relation avec d'autres célibataires par le biais de portraits et de lettres. Suite à cela, une session de speed dating est organisée avant la dernière étape du séjour à la ferme. Durant ce séjour qui dure quelques jours, les potentiels amants tentent de vivre une belle histoire d'amour. Et cela marche assez souvent. Depuis la première saison, L'amour est dans le pré recense plus de 15 mariages et pas moins de 54 bébés ont pointé le bout de leur nez. Et ce samedi 21 août 2021. C'est un nouveau couple emblématique de l'émission qui s'est dit oui devant le regard ému de Karine Le Marchand. Évidemment présente et qui a tout relaté dans sa story Instagram. Il s'agit d'Anne-Marie et Gégé. Agriculteurs de la 12e saison de l'émission. Les deux amoureux y ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Et depuis, ils ne se sont jamais quittés. Dans une interview accordée à Télé Loisirs le 8 août 2020, Gégé avait accepté de se confier sur cette belle histoire d'amour. « Jamais je n'aurais pu imaginer ça. » Après sa lettre, il m'était impossible de me souvenir du prénom des autres prétendantes. Expliquait l'agriculteur. Très discret sur leur vie privée, ils ne s'affichent presque pas sur les réseaux sociaux. En août 2020, les candidats Pierre et Fred avaient donné de leurs nouvelles sur Instagram. Dévoilant qu'ils étaient toujours faux amoureux l'un de l'autre, lui, qui a marqué l'émission par sa grande humilité et sensibilité. Point. Elle, qui a tout quitté pour l'amour d'un regard bleu azur, Anne-Marie et Gégé. Le Limousin chez nous, auprès des bons repos, écrivait-il. Après le mariage de Mathieu et Alexandre en juin dernier. Ce sont donc à Anne-Marie et Gégé de convoler. Pas de doute, c'est bien le temps de l'amour pour les chers candidats de Karine Le Marchand.